Et c'est le meute, on est parti pour un nouveau easter egg. Cette fois-ci, on est encore sur Dying Light, parce que je vais vous montrer le deuxième easter egg qui était vraiment visible, pas juste un petit objet à clin d'œil. Comme j'ai dit à la dernière vidéo et comme m'avait dit Tzouti, il y avait l'épée Exp Excalibur, Exp pour expérience, et qui était un clin d'œil en fait à Excalibur, l'épée du roi Arthur quoi. Donc ici en fait on est à Antenne, donc une zone de la map que vous allez découvrir en avançant un petit peu dans le scénar. Vous devriez pas être trop compliqué à trouver. En fait, vous avez juste besoin. Donc ici, vous arrivez toujours par cette zone-là, cette porte blanche. Donc vous allez, hop, monter full nord pour aller vraiment à la limite de la map en haut, pour aller dans cette direction-là. Vous prenez la grande, vous montez en haut de l'antenne qu'il y aura. Donc c'est une grande antenne rouge et blanche, donc elle est assez simple à trouver. Ok, je suis tombé pour rien. Ah, c'est celle-là, assez simple à trouver. Montez tout en haut et vous aurez une tyrolienne qui vous monte, qui va. Non! Je suis pas le con. Non, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Mon personnage qui se casse la gueule tout seul et qui refuse de monter en plus, c'est super quoi. En fait, de base, on a dû monter par là pour arriver en fait dans le coin là où il y a une petite plante. Là, voilà. Là, t'as une petite plante qui est là. Et attends, prends-moi grappin, s'il te plaît. Hey, t'as dit mon poc. Putain, je peux agripper tout ce qui est en bas, mais je peux pas agripper en haut. Tu fais ma gueule quoi, sérieux. Ah non, fais-moi pas ce coup là. Je viens de passer une demi-heure à essayer de monter. Dis-moi pas que c'est pour rien. Arrête de faire des marches arrière, putain, mais agrippe-toi, monte! Oh, la vache! J'avais pété un câble, je crois. Bon, on va remonter et reprendre la tyrolienne. Et donc, quand ton personnage se casse la gueule alors qu'il l'aurait pas dû. Voilà, donc là vous restez en haut cette fois. Et en fait, vous vraiment essayer de tomber sur la petite plante sans aller trop loin. Vous appuyez sur la touche, ça vous téléporte directement dans la zone. Et à vous le petit match de plantes versus zombies. Alors pour moi qui a déjà bugué. Ah non, c'est bon. Vous voyez, de base en fait les zombies devraient être là. Hein, dans cette zone là. Ils devraient être là et ils devraient se rapprocher petit à petit en fait des plantes qui elles vont les attaquer comme vous pouvez voir. Ils ont les petits trucs sur la tête. Voilà. Donc les rochers remplacent les plantes patates qu'on pouvait faire monter. Vous avez donc les petits trucs qui attaquent à distance, les petites barrières de tournesol derrière pour les soins et compagnie. Donc pour ceux qui connaissent Plantes vs Zombies, la version téléphonique, je parle bien du terme, et bah vous avez vraiment le pur Plantes vs Zombies quoi. Voilà. Je crois que c'est tout, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, vous avez vraiment le pur Plante vs Zombie à l'ancienne, bien rétro. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel easter egg. Je vous dis à la prochaine pour vos vidéos. Ciao tout le monde!